Salut les amis, comment vous allez? En tout cas, j'espère que vous allez très très bien, très très bien. Aujourd'hui, ce message il est adressé à tous les fans des Bordeaux. Voilà, je suis fan des Bordeaux, mais je m'enlève des dents parce que je suis en train de faire ce que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà, je suis pas du tout content de vous, pas du tout, pas du tout content de vous. Je suis pas du tout content de vous pour deux choses. La première, je vais beaucoup m'attarder dessus, et surtout la deuxième là. C'est concernant mon combat pour l'unification du coupé décalé. Et puis il y a certains qui me parlent de ralliement là. C'est parce que vous ne comprenez pas français ou c'est parce que vous ne comprenez pas bien la langue de Molière. C'est en français que je parle. Je parle d'unification du coupé décalé. Je ne parle pas de ralliement. Je reste et je demeure fan des Bordeaux. Donc écoutez bien le français que je vous dis. Et bien avant d'arriver sur ça, vous savez, moi je vais vous dire deux choses. J'aimerais que ces derniers temps, vous donnez trop la cote à certaines personnes. Certains individus qui n'en valent même pas la peine. Ils sont vieux, ils sont pas intelligents. Et vous faites la publicité. Vous faites la publicité. Vous parlez d'eux seulement. Des gens même qui ne comptent pas. Des gens même qui ne comptent pas. Qui ne comptent pas du tout, du tout, du tout, du tout. Normalement, pour l'âge qu'elles ont, elles doivent se calmer. Vous savez bien que ces personnes ne sont pas intelligentes. Elles sont bêtes. Les raisonnements sont décousus. Et vous, quand ces personnes-là sortent quelque chose pour faire des vidéos, ça vous fait mal. Vous acharnez si elle, quand même. Il y a trop de personnes sur la toile à qui vous pouvez vous donner cette cote-là. Matin, midi, soir, vous parlez de la personne. C'est qui même? Vous-même, vous avez vu une fois lui prononcer le nom de cette personne-là. Vous savez de qui il parle. Voilà, vous savez très bien de qui il parle. Quand les gens n'en valent pas la peine, là, ne vous attardez pas à choses sur eux. Quand même. Aïe! C'est qui même? C'est qui même déjà? Depuis ce dernier a fait vidéo, je n'ai jamais regardé une de ses vidéos. Parce que ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est la personne que vous voyez là qui s'approche de la cinquantaine. Hein. Ils ont 40 ans passé. C'est des vieilles personnes. Un gars qui n'a même pas sa tête. Qui a juste envie de se faire voir sur les réseaux sociaux. Quand la personne réagit, vous êtes là. Et lui là, il m'énerve. Et lui, il est la main. Lui, il a fait ça. Débordé, même qui a débordé, vous avez vu débordé à parler. N'oubliez pas que moi, il m'attarde pas sur les bêtises. Quand même. Réfléchissez un peu avant votre tête. Vous êtes là en train de faire la pub sans le savoir à ce dernier-là. Oh, il compte. C'est, il compte même pas. Il a créé sa chaîne bien avant moi. Mais comme il est bête, j'ai aujourd'hui plus d'audience que lui. Vous voulez augmenter ses abonnés, quoi. Arrêtez un peu les amis, arrêtez un peu, arrêtez un peu. Si ça tenait qu'à moi, il y a des personnes là, jamais on parlera d'elles. Parce qu'elles ne sont pas intelligentes. Elles racontent que du n'importe quoi sur la toile en fait. Elles viennent juste se faire voir, bon, je m'appelle tant, regardez-moi un peu, c'est tout. Il n'y a rien de constructif dans ce qu'elles disent. Arrêtez un peu. Matin, midi, soir. Il a dit quoi c'est Débordeaux? Il a dit ça là encore. Il a dit quoi? Et puis quoi? On s'en fout de ça. Quand tu es fan de ton artiste, on s'en fout du reste. On s'en fout du reste. Il y a des gens, vous voyez. C'est tellement des personnes du mal, des enfants du mal, qui ont été très mal élevés, qui ont perdu l'amour même de leurs parents, qui ne se sentent plus aimés. Donc ils cherchent un peu du réconfort sur la toile. Donc, ils viennent faire des vidéos à la con et vous les suivez. Vous partez même juste mettre j'aime même sur les photos. Vous partez même jusqu'à commenter. Quand même. Moi, à ce stade, je ne fais plus de vidéos. Je suis en train de gérer mes milliards ou bien je suis en train de gérer mes sociétés à travers le monde. Et même si, à un certain âge, je dois faire des vidéos, c'est des vidéos réfléchies. Des vidéos sur de bons thèmes. Mais pas là, mais à raconter du n'importe quoi parce que je suis X ou Y, je viens, je prends une caméra et je me fais des vidéos. C'est des conneries, ça. Je ne veux plus voir un fan de Bordeaux s'attarder sur ce dernier-là. Parce qu'il ne compte pas. Il ne compte pas. Vous voyez, depuis que j'ai fait la vidéo, il a dit son nom. Vous savez très bien de qui je suis en train de parler, là. Vous m'avez vu, il a dit son nom. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Il n'en vaut même pas la peine. Moi, je cause à des personnes qui sont intelligentes. Je cause à des personnes qui sentent que, qui peuvent mener le débat. Mais quand il sait que tu ne peux pas mener le débat là, je ne m'attarde pas sur toi en fait. Moi, quand je vais m'adresser aux choses, aux gens sur la toile, je m'adresse aux artistes. Voilà.
Parce que je veux les biens. Et quand ces derniers-là déconnent, il faut que j'ai le droit de leur dire la vérité. Mais des personnes qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas. YouTube a fait un peu. Ils ont sorti les vilaines têtes là. Après, elles sont vilaines en plus. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Moi, je ne veux plus vous voir faire des vidéos sur ce dernier-là. C'est bon. Il a eu un peu sa publicité. Qu'il garde ça comme ça. Il ne compte pas. Voilà. Quand tu es très mal élevé, hein, t'es pas obligé de venir exprimer ça sur la toile. Parce que, en fait, sur la toile, c'est des milliers de personnes qui te voient, c'est des milliers de personnes qui te suivent. Donc, il faut dire des choses réfléchies. Des choses qui peuvent amener le développement, des choses qui peuvent changer les mentalités. Mais pas juste à se filmer. Déjà, même qu'on n'est pas beau, des choses avant. Hein, les amis, moi, je suis pas content de vous. Bref, donc c'était un peu ça. Vous savez très bien de qui je suis en train de parler. Maintenant, ceux qui parlent du ralliement, là, quand même, les amis. Moi, je vous respecte beaucoup, mais arrêtez un peu, ça suffit. De quel ralliement vous parlez? Je vous dis que moi, Stéphane Ahuy, puisque j'aime le coupé décalé, et le coupé décalé, dans ses débuts, était le genre musical qui était numéro 1 en Afrique. Et maintenant, je vois ce coupé décalé-là, régresser. Je vous demande une unification, une union au sein des faiseurs du coupé décalé. Vous me parlez de ralliement. Dans la même vidéo, je dis que je reste et je demeure fan des Débordeaux, du Koufa. Ça ne va jamais changer. Mais cela n'explique pas. Cela n'exclut pas qu'on doit, on doit s'entraider maintenant. C'est le moment. Ça ne sert à rien. C'est juste un leadership à la demi-debout là, qui n'en valent même pas la peine. On doit les enterrer maintenant. Parce qu'en fait, moi, je me suis mis dans ce moule-là parce que j'en avais un peu marre. C'est pourquoi souvent j'ai créé mon ras-le-bol. Sinon, à la base, ça ne me plaît pas en fait. Ça me plaît pas. On peut se titiller, se chahuter, s'envoyer des petits pics, des petites moqueries, mais faut pas chercher à salir l'image de l'artiste coupé décalé. Faut pas chercher à casser l'image de l'artiste coupé décalé. C'est pourquoi je dis toujours à mon artiste, c'est son silence au moins qui peut faire exploser toute sa carrière en fait. On n'a même pas. Nous, on va faire ton palabre, parce que c'est ce que je dis toujours. Mais dans le même temps, moi, je veux une réclamation pour le coupé décalé. Il est temps maintenant, là. C'est le coupé décalé, mais ce n'est pas le coupé décalé. Il est temps maintenant. Une relation sincère entre les membres et les faiseurs du coupé décalé. C'est ce que je veux pour mon coupé décalé. Voilà. Ce n'est pas un ralliement. Ce n'est pas un ralliement, les amis. Je ne veux plus voir quelqu'un parler de ralliement. Voilà. Souvent, réfléchissez un peu. Donc, que Dieu vous bénisse et très bonne journée à vous.